Voilà, nous voici réunis aujourd'hui pour prendre la décision d'aller en grève. Nous avons bouclé le programme avec l'accompagnement des parents d'élèves et les élèves. Tout le monde nous a accompagnés. On a reçu les 40%. Nous venons de suivre le message du ministre conseiller de la présidence que le gouvernement n'est pas encore mis en place et qu'il nous demande de les attendre et que leur préoccupation première sera de nous rencontrer afin que nous discutions de 8 millions. Nos 8 millions, on ne reculera pas pour ça. On ne reculera pas. Hier, s'il vous plaît. Camarade, salut! Salut, camarade. Faut-il aller en grève? Nous avons décidé de rédiger l'avis de grève parce que le gouvernement ne nous a pas accordé le respect. Nous l'avons fait pour ça. Nous avons pris cette responsabilité de rédiger sans votre avis d'aller en grève. Ils nous ont fait perdre le temps sur la table de négociation. Ils nous ont fait espérer. À la dernière minute, ils disent que le gouvernement n'est pas mis en place. C'est ce qui a fait qu'on a dit il faut qu'on aille en grève. Alors, on a déposé l'avis de grève autour de la table de négociation. Chaque parti est parti avec son document. Parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Vive la grève! 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 Qu'est-ce que l'administration est en train de faire? Ils ont anticipé la composition. Ils ont peur de moi. Ils ont anticipé la composition. Pour ne pas avoir affaire, n'est-ce pas, aux enfants. Parce que quand on a déclenché, les enfants seront dans la rue. Donc pour ne pas que les enfants soient à notre portée, ils ont dit bon, anticipons les compositions. Les examens blancs aussi. Brevet blanc. Tout. Nous allons. Notre force, c'est quand les anciens, les élèves sont en classe. C'est ça notre force. C'est quand les enfants sont en classe. Mais aujourd'hui, ces enfants sont sur le point de partir. Deuxièmement, les enseignants que nous sommes, c'est la fin de l'année. Moi, j'en ai l'expérience. Hein. La fin de l'année, tous les enseignants courent vers les primes. Tous courent vers les primes. Il y en a qui ont déjà commencé à démarcher auprès des autorités pour qu'ils soient inscrits par-ci, par-là, pour corriger, pour surveiller. Hein? C'est vrai. Tout le monde. Vive le soir, le général Chouma. Vive le général Chouma. Aujourd'hui, tout le monde est préoccupé par ça. Chacun pense comment est-ce qu'il va être inscrit parce qu'il pourra avoir quelque chose. Et avec ça, tous les parents d'élèves qui nous ont accompagnés pour qu'on obtienne les 40%. Modicus veulent que leurs enfants composent. Ils veulent que leurs enfants passent les examens. Aujourd'hui, il y a un élève qui m'a appelé de Farana, un candidat au bac, dit monsieur Souma, c'est bon, monsieur Souma, il est où? J'ai demandé votre numéro. Il me dit, je suis couché à l'hôpital comme ça. Je suis à l'hôpital. Pardon, M. Souma, faites en sorte que le bac se déroule. Je vous en prie. Je suis mal comme ça. Depuis que j'ai appris que la grève est lancée, ça a aggravé ma maladie. Je suis à l'hôpital comme ça. Je vous en prie, monsieur.
faites en sorte que les examens se déroulent. Il dit, suivez, s'il vous plaît. Il dit, nous les élèves, nous vous avons accompagnés. Mais permettez-nous qu'on fasse la composition. Je dis, mais écoute, si on vous laisse composer à l'ouverture, quand nous allons déclencher, est-ce que vous allez nous suivre? Je jure au nom de Dieu. Nous allons mobiliser tout le monde pour vous accompagner. Il me l'a dit, une situation comme ça. Le grand imam s'est déplacé hier. Il est venu me voir. Jonas Souma, tu as fait honneur à la religion. Lorsque, en novembre, la grève avait atteint un certain niveau où on a réussi même des morts, tu nous as respectés en suspendant la grève. Notre parti ne nous a pas respectés. Vous nous avez respecté, vous avez accepté de suspendre la grève. On vous a fait accompagner par nos bénédictions. Le résultat est là. Aujourd'hui, tout le monde parle de vous. Tout le monde parle de Slex, Slex, Slex. Parce que votre main est avec Dieu. Il dit, j'ai passé un communiqué pour que pendant ce mois de Ramadan, le mois de pénitence, aucune organisation politique ou syndicale ne fasse une marche pour au moins la préservation de la paix, de la quiétude sociale pendant ce mois de Ramadan. Il dit, j'ai fait un communiqué par rapport à ça. Il dit, je voudrais que encore cette fois-ci, vous acceptiez d'attendre de ce soir à la grève jusqu'à l'ouverture. Il dit, le temps est là. Acceptez ça. Il dit, la même chose que vous avez faite là, vous avez été, n'est-ce pas, supporté par tout le monde. Faites encore. Faites-la maintenant aussi. Acceptez, au nom de la religion, de suspendre la grève jusqu'à après les vacances. Jusqu'à la voiture. Il dit, moi-même, je dis, moi je n'ai pas cette bouche-là pour dire aux anciens de suspendre la grève parce qu'on a déjà lancé. Il me dit, je peux même venir à l'Assemblée. Il a promis de venir à l'Assemblée. Il a dit, de toute façon, quand je serai là, je vous avais déjà tenté de l'appeler, mais le téléphone ne passe pas.